Et hey, hop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur skill PVP. Donc aujourd'hui deux pillages, le premier est moyen, le deuxième est franchement il est bien, il est bon, il y a du stuff et tout. Donc les gens voilà, donc je vais vous laisser avec ces deux pillages. Allez, bonne vidéo. Donc re les gens, donc là en fait on est sous la base, donc il y avait de la lave sous la base, donc je vais juste rentrer dedans avec un. Maintenant cet homme, donc je sais pas si là je suis pile au-dessus ou pas. Maintenant cet homme là. Slash cet homme là. Maintenant cet homme là. Ok, homme là. Alors normalement si la base est pile au-dessus ça devrait être bon, sinon après il faudra que je revérifie, mais normalement je serai dedans. Voilà. Perfecto. Donc il y a des coffres, et j'ai vu qu'il y avait une petite farm. Voilà. On va bien voir ce qu'il y a. Donc on va mettre cet homme là, ici. On va aller au spawn chercher vite fait des creepers. J'en ai plus beaucoup, ça dèche. Je crois que j'ai rien acheté. Ok. Il me reste plus que 4. On va en prendre 2. Alors. Homme bleu. Donc j'espère quand même que ça a été un bon petit pillage. Hein. Il y a pas... il y a un mec dedans, tout à l'heure je l'avais vu co. C'est pour ça que je voulais le piller. C'est I like 08. Donc, y a pas la lave en dessous, moi. Non. Ok, masse de stuff. Ah, bloc de sénalium. Donc le stuff game, franchement, je vire tout. Un bloc de sénalium. Hop, ça on s'en fout totalement. Juste garder les pommes si je veux faire des pommes shit. Ça va un petit bloc de sénalium. Le reste. Peut-être juste ça. Le reste. Ah si, il y a du cannabis. On va juste prendre le cannabis. Feuille de cannabis. Voilà, ça c'est bon. Donc c'est avec ça qu'on fait les. Qu'on fait la beuh. Alors hop. Je vais garder ça, j'en aurais besoin. Et. Trop chose inter... Non, on va vraiment tout virer sur le côté, comme ça après on sera tranquille pour continuer de piller. Alors, hop. Tac. Ok. Ok, tac. Et encore ça. Trop de merde. Bon, j'ai jeté mes barrières. J'ai jeté mon creeper. Ah, ça m'énerve que les touches changent sur le launcher. Je suis pas habitué. Bon, quand tu veux le creeper. Je vais tout récupérer sauf le creeper. Le creeper, je vais bien sûr le récupérer en dernier, voilà. Bien sûr, hein, c'est logique. On va juste le mettre là, comme ça on est sûr de ne pas le perdre. Ça, on s'en fout. C'est vraiment du foutage de gueule. Je suis pas concentré aujourd'hui pour piller. Hop, voilà, c'est bon. Ok, du stuff. Ok, une petite sharpness 3. Ici, il y a du stuff. Regardez ça. Ça, je m'en fous. Le P3, ça c'est du kit senior, on va le garder. Slash cet homme là. Hop, on va la BP vite fait. Donc après je pense vu que la vidéo elle va être courte, on va faire un peu de PVP, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Juste faire les popos et après on ira PVP. Ou si j'ai un autre pillage, on va bien voir. Hop, donc on vire tout ça. Hop. Homme blanc. Que je reprends des épées de farm. Hop. Ok. Juste garder ça, le reste on s'en fout. Donc voilà, bon, ce coffre on va pas le faire péter, le reste c'est bon, on va pas faire péter.
Ouais. Bon, c'était vraiment un petit pillage, là on a vite fait une bonne épée, un peu de stuff. Donc voilà les gens, donc soit tout de suite pour de PVP ou soit encore un autre pillage, donc à tout de suite. Donc re les gens, donc là j'ai trouvé une base de la Acedium. Donc ça a l'air d'être une bonne fuck. Donc voilà, donc on va rentrer en Enderpearl. Je vais voir combien de creeper il me reste et en fonction. On ira et puis. Ok, je vais pas réussir à rentrer. Je vais rechercher des Enderpearls et je vais rentrer dedans. Hop, alors. Donc là, je vais marcher encore un petit peu et que 5 minutes plus tard, je suis tombé là-dessus. Je vais prendre ça un jour. Home 1. Alors je crois qu'ils ont mis une protection en four, faudra que je me mette en sneak. On va fumer. On va manger le bœuf. Ok, donc. Voilà, je suis aussi rentré dedans. C'est compliqué la vache. Slash cet homme. Ok. Donc. Ok, les coffres ici. Il y a des fours, mais je ferai un usbug pour les péter. Si c'est que j'aurais pas assez de creeper pour les. Ah là, les coins, c'est facile à péter avec les échelles. Ok, ici c'est fermé. Ok, c'est fermé. Y a pas un côté ouvert. J'ai pas l'impression. Non. On va faire slash set home. Oh. Home. Bon, ça doit un petit peu dessus. Non, ça va pas. Même si je me colle. Ah mince. Non, ça sert à rien. Je montre en Enderpearl donc. Frip FF. Je sais pas c'est qui. Bon. Home, normalement c'est bon. J'avais fait que j'ai bien mis le setup, j'ai pas envie de me refaire mon BT à monter. Hop, on va la buffer vite fait. Il me reste combien d'œufs de creep? 2. On va pas pouvoir péter trop de coffres. Il faudra que je trouve des creepers. Enfin, ici il y en a 5. Voilà, hop. Voilà. Je pense comme c'est une bonne fac. Après, on va voir. Hop, je vais monter dessus. Ok. Ils ont cru qu'ici c'était leur coffre les plus protect. À mon avis, ici c'est coffre perso, donc on va. Je pense faire péter ces. Les. Par contre, au-dessus, il y a quoi? Que ciel d'eau. On va faire péter juste les coffres du côté et après on voit. On voit. Si je peux acheter des creepers et tout. Alors. Quel côté? Magic. Juste voir dans leur fac. FF. Acidium. Ah ok, ici c'est leur chef de fac donc. Donc c'est le home de leur chef et Magic Caution c'est un sous-chef de leur fac. Donc ça doit être plutôt une bonne base je pense. Donc on va voir. Ok, Mass Popo. Slash cet homme. Oh. Ok, home effet. Donc ça c'est pas mal les potions vu que j'en ai plus. Avec des ingrédients popo. On va tout prendre. Hop. Ok, une défi 5. Home 1. Mon avis, les meilleurs coffres ils sont là où j'étais. Après, faut que j'aille. Il m'a combien de monnaie? 800, ça va être chaud. Ok. Ok. Bon déjà les potions ça va faire du bien, alors j'espère que l'autre côté ce sera les stuff. Un côté potion, un côté stuff serait pas mal. Hop. Potion de force, de speed, de heal. Ça c'est plutôt pas mal.
Home. J'oublie chaque fois. Alors, tac, il me faudrait vraiment des œufs de creep. Incroyable. Ok, il reste encore masse. Ah oui, ok, il reste encore masse de pofo. Enfin, home, BP. Île, ingrédients popo, ça c'est bien. Alors. Franchement, leur base a été bien foutue. Alors, je sais pas comment j'ai pu rentrer avec les fours. Ah, c'est peut-être à cause de l'eau, je pense. Ouais, je regarderai quand j'ai ce bug. Parce que je vois pas trop en fait comment je suis monté. Hop, popo, ici il y a les ingrédients. Ça devrait être bon. Popo. Par contre, là je vais me noyer. Ouais, là je vais me noyer par contre. Il y a de l'air ici. Ouais. Voilà, donc on a tout ramassé. Donc, calme. Donc, l'autre côté, on prie que ça soit vraiment les bons trucs. Enfin, j'espère qu'il serait bien que dans un de leurs coffres, il y aurait des œufs de creep. Là, ça serait. Ce serait bueno, bueno. On va virer. Bon, déjà, niveau potion, je suis refait. Alors, il me faudrait des Underpearl. Underpearl. Ok, appel Skype, merci, mais non. Casse-toi. Voilà. Donc, continue par là. Ok, je suis trop proche. Alors ici, il faut faire gaffe. Ah si, il y a encore un courant au milieu. Oh oui! Oh punaise, tout ce qu'il y a. Oh my god, P3, P3. Oh putain. Sa race. Minerai de métaux, oh là là. Ok, je suis refait au calme. Livre P4, livre T5, au calme. Ah ça va, je suis refait niveau stuff. Oh. Ok. Encore des livres. Ok. Reste encore masse de... Ah en haut il y a des... Ah, ok, j'ai eu 4 gemmes de météore, ok ça c'est pas mal. Il n'y a pas d'œuf de creep. Dommage qu'on puisse pas vendre les autres minerais, je les aurais bien vendus. Pas mal, P3. P3, des archites. C'est surtout les livres qui sont intéressants, livres P3, P4, là c'est. J'en avais plus. Des gemmes. C'est abusé. Je me refais encore une T5 en météore du coup. Donc après j'irai farmer vite fait, le temps d'avoir encore un œuf de creep parce que là c'est plutôt un bon gros pillage j'ai l'impression. Je vais peut-être vendre mes levels. Hop, c'est ce côté-là. Hop. Tac. Home BP. Un peu d'urite, encore des joints, P4, P4. Mais ça c'est bueno, c'est bueno. Ok, de l'urite. Popo steak. Ok, je sais pas combien ils ont stacké par 6. Bon, ça m'arrange. Hop. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas trop mal du tout. Enfin c'est même... Pour moi c'est parfait. Bon les gens on se retrouve dès que j'ai encore un œuf de creep. A tout de suite. Donc, relégeant, je viens juste d'acheter un œuf de creep, on va y retourner. Donc, je suis obligé de passer par le spawn. Bon, ça va, j'avais déjà assez de monnaie, donc j'ai évité de faire vendre un peu d'or et mon XP. Il peut avoir arrêté de spam aussi les deux autres, là, c'est relou.
Donc on va faire le péter encore le coffre du côté du stuff, en espérant qu'il y ait du... Ce côté-là, en espérant qu'il y ait encore du minerai. Ok. Ah, ok, c'est que du P4, diamant. Oh, calme. Bon, ça c'est plutôt du. Enfin, tout c'est que du P4, ça c'est parfait, mais bon. Ça aurait été meilleur avec un autre stuff. Ok, donc c'est toujours pas mal. Je vais encore aller. Ah, bah, j'ai récupéré aussi des anneaux-perles. 10 loupilles. Donc, on va. Finir de stocker tout ce qu'on a eu. Ok, j'ai déjà plus de place dans les coffres. C'est pas grave. Ah, s'il y a de la place ici, on va replacer des coffres. Hop. Voilà, vite fait. Je vais les farmer avec ça. Smite 5, ouais. Donc les gens on se retrouve bah, dès que j'ai acheté le prochain creeper, à tout de suite. Donc les gens là je viens d'avoir mon kit explosif, je vais le faire avec vous. Hop, kit explosif, hop, 4 creepers, au calme. Ok, ça y a un nouveau coffre. Faut que je trouve des coffres... On va reposer des coffres. C'est tout ce que je peux poser pour le moment. Ouais. Alors on va retourner là-bas. Sais pas ce que je vais faire péter. Si je pète là, il y a tout le qui tombe, donc faudrait que je fasse péter là derrière. Bon, on va d'abord faire péter ce coffre là, il y a peut-être du stuff tout en bas. Si c'est des coffres privés, il y aura du stuff. Je peux respirer là. Ok, j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a du météore, ça je preneur. Par contre, je vais éviter de me noyer. Ok. Des potions. Ça me sert à rien. Il reste des popos. Ouais. Ah, je me suis noyé. Non. On va éviter de mourir maintenant. Ce serait stupide. Et le verre, je m'en fous. Voilà. On va la BP. Il y a ces coffres, ils me tentent trop à péter, ça m'énerve. Hop. J'hésite, très franchement, j'hésite. Je sais pas quel coffre faire péter. Que ceux-là ils me tentent, mais ce duo vu qu'ils sont faciles à péter ils me tentent aussi. Voilà BP. On va. Ah, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Pas assez de creeper pour prendre une décision rapide. Briquet bloc. On va d'abord faire péter en haut, c'est pas grave. Ok. Ok. Bon, j'ai plutôt eu raison de faire péter ce coffre là en fait. Dommage, j'ai des TNT mais pas de creeper. Hop. Knockback. Ok, encore des livres.
MP3. De toute façon, j'ai le repair, je pourrais le repair le stuff. Alors, home. Oh, allez, allez. Hop, y a aussi. Ok, encore des. Bon, on va quand même se dépêcher parce que je pense que ça dépop. Ça despawn. On regarde en même temps ce qu'il y a. Ok, encore les vues 3, les P2, les vues 3. C'est parfait. Ah, il y a de la place ici. C'est quoi ça? P3U2, pas mal. Hop, on va là-bas. Tac, qu'on se dépêche. J'aurais quand même cru qu'il y aurait un peu de dégâts comme ça. E-Home, BP. Hop. C'est parfait, tout ça, épée de farm et tout. Ça me fait trop rire le PK tu 3 en or, j'y suis allé PVP une seule fois, il a craqué en deux coups. Ça me fait trop rire ce stuff. Bon, un creeper, il reste encore du stuff à prendre. Ah, ça c'est de l'Evendir, donc c'est-à-dire qu'hier ils étaient quoi. Il faudrait peut-être que je me dépêche avant qu'il se recouvre. Leaf P3, P3, P3. Comme ça je pourrais me faire des casques PKQ3 en méta. Je sais pas si c'est plus résistant, faut que j'essaye. Que le stuff que je me souviens jamais le nom. Que le titacite. Ça, je... Ok, coffre encore. En mettez. Hop. Ok, quasi tout est full. On va ranger ce bateau. Opposé. Voilà. Ça nous fait encore de la place. Donc, on va faire péter encore les deux autres coffres, je pense, du coup. Par contre, ici, il y avait encore du stuff. Ah ouais. Y a rien de bon. Je vais garder le score, j'en ai peut-être besoin. Ok. Oh, tous les bouquins! Oh my god, bon, j'ai raison. Toujours pas d'œuf de creep? Non. J'espère qu'il y aura pas de clear. Il y a des joints, pommes dorées. Donc en fait, c'est vraiment une grosse grosse base. Alors. Ça, c'est vraiment que du stuff, je crois qu'il y a eu à l'event. Il y a pas de clear. Non, c'est bon. Allez, on se dépêche. Tout ce qu'il y a. Ah, ils ont pas de stuff. Je pense quand même qu'ils doivent bien avoir du P4 quelque part. Hein. Enfin, du P4 antitacide. Parce que sous terre, j'ai vérifié, il n'y avait rien. C'est que une skybase. Que j'avais vu sur la minimap. Hop. Ils ont même des seal touch et tout. Je sais pas si je vais revendre après les livres pour me faire de la monnaie et essayer d'avoir des creepers parce que là, ok, pour l'instant une claim. Enfin il y a une claim. Alors home P5 P4. Ça je vais le prendre, il peut toujours servir. Et encore des joints, épée de PVP de farm, c'est là. Pomme dorée, ça aussi, cette pratique pour le PVP. Hop, TNT, tac. Petit parcours du combattant. Allez. Ok, qu'est-ce que j'ai eu? De l'émeraude, il me faudra une FI5, je vais miner à l'FI5, l'émeraude vite fait. Le home, BP, voilà. Donc on aura déjà fait péter entièrement un étage.
Hop, alors. S'il touche encore knockback. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, les gens, on se retrouve dès que je trouve un moyen d'avoir des creepers pour que je vais te piller. A tout de suite. Donc, les gens, avec l'aide de Aisuka, on a pu avoir un œuf de creep. Hop, le TPS là-bas. Non, pas de dédié à Isuka, c'est une merde, il sert à rien dans la vie. Voilà mon 2 enchères. Ok, il veut me passer le joueur. Oh calme, 8 pierres de météorite. Merci Isuka. Tour des dragibus. TNT, je m'en fous, j'en ai plein. Je veux pas de TNT. Passe-moi ta base. Ah, je suis déjà dans ta fac. Oui, c'est bon, il va me toucher. Donc, on a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Le choix entre 6. Je sais pas lequel prendre. Celui qui me tente le plus, c'est celui-là. Parce qu'il est à côté de l'Under Chest. Le mec, il fait une déduction, mais impossible. Bon. Alors, technique ancestrale du pillage que personne connaît. Ah, vous avez vu la technique ancestrale, hein? Vous connaissez pas, hein? Et voilà, la technique ancestrale. Non! Ok, j'ai réussi à faire péter à moitié. On a quand même eu déjà la moitié du stuff. Tu vois, je te passe un peu du stuff. Voilà. Alors, oh, mais... bon, les gens, on se retrouve bah, dès qu'on a encore un autre creeper. Là, je vais essayer de le farm à mort les creepers, donc à tout de suite. Donc, relégeant, donc je vais encore acheter un creeper. Bon, j'ai mis assez longtemps à le farmer. On va faire péter un dernier coffre parce que ça me gave. Enfin, ça me gave quoi de faire des allers-retours sans arrêt. Alors, il faut juste un bloc. Voilà. Home. Je vais laisser un home dedans, mais je vais arrêter de le piller parce que, bon, au bout d'un moment, farmer pendant 30 ans le creeper c'est chiant quoi. Sais pas qu'est-ce qu'on va faire péter. Bon, on va faire péter celui-là. Alors, technique ancestrale, c'est une technique ancestrale, personne la connaît. Ok. Oh, quand on voit ça, après on a trop envie encore de tomber sur les pieds quoi. Ah, ça me fait chier ici encore des autres choses comme ça de les laisser. Là, je suis sûr qu'il y a un coffre à P4. Un des trucs comme ça, il doit y avoir du P4 dedans, j'en suis sûr. Ça m'énerve. Encore masse de joints, masse de popo. Je vais voir, je vais peut-être encore en faire un ou deux parce que essayer de me racheter encore deux creepers. De quoi faire péter au moins faire péter un coffre en métier parce que graines de cannabis, ça c'est parfait. Voilà BP, on ramène déjà ça donc c'est plutôt pas trop encore 12 TNT. Mais j'en suis sûr dans les coffres à métier il y a quelque chose. Hop. Donc les gens, à tout de suite pour bah je vais essayer de farmer au moins deux creepers, donc à tout de suite. Donc les gens, donc j'ai encore acheté mon dernier creeper parce que j'en peux plus de farmer. Donc y a un mec qui a fait son kit au spawn, j'ai tout récup. Je sais pas comment, enfin je sais pas trop comment il a fait. Alors, on n'a pas déposé ça. Je sais pas s'ils sont encore co. Enfin, s'ils sont co, s'ils viennent de ce co, quoi que ce soit. Je me vois pas. Chut, discrétion.
Donc on va déposer le creeper, on va y aller avec un petit stuff. J'ai flippé. J'ai eu peur! Donc ouais, je vais vite fait du coup faire du PVP, je pense pas qu'on aura le temps de piller le reste des coffres. Ça on dépose, j'ai failli y aller avec mon épée de forme. Je serais mort avec, j'aurais pété un câble. J'ai pas mon kit youtubeur plus? Si. Voilà. Hop. On va prendre une petite fumette. J'ai bien eu des forces pendant le pillage. Tu as des heals, on en a. Ah, c'est compliqué de les laisser stacker comme ça. Il faut des forces. Force 2. Force 2. Force 2. Ça devrait suffire, ça. Hein. E-Home. Ah merde, je suis pas modo de la fac. J'espère qu'il les a mini. J'ai l'impression. Oh bah GG. J'espère que j'arrive, moi je récupère tout le stuff sans respect. Home. Ils vont sûrement revenir. Je pense pas que j'aurai le temps de faire péter. On était quitte, Seigneur. Donc on finit vite fait. Alors, je vais quand même pas prendre de. On va quand même essayer de faire péter encore un dernier coffre. C'est risqué, mais bon, on va prendre le risque. Le risque que j'ai, c'est que pendant que je fasse mon truc, il me tue. Donc il me faudrait un briquet. Un briquet comme ça, après on se laisse là-dessus. On verra si je fais du PVP ou pas. Alors, home. Et merde, cette épée, et ça je déteste. Alors vite, on se dépêche. Hop. Allez. Qu'est-ce du stuff? Home VP. Bon, on aura récupéré le stuff qui restait. Bottle d'XP à une FI5, ça c'est pas mal. Donc après, j'ai pas assez encore hein, pour finir. Ça va être trop compliqué, je pense. On va juste. Il me reste plus qu'une force, non. Je vais poser le reste alors. Slash home. Il va une dernière fois et je pense que ce sera fini. Donc il y aura deux petits pillages. Ici. Il a pris pomme shit, non, il est sérieux? Oui, il a pris pomme shit, il est sérieux. On va juste tourner. Ah, par contre. Et ouais, bah moi aussi j'ai pas me cheat, moi. Il cherche des pétards à fumer, j'en suis sûr. Il a une K2 qui fait mal.
Là, c'était. Slash. Faut que j'aille à ma BP, vite fait, je vais reprendre une. Ok, juste reprendre pour votre force et on y retourne. Slash home. Normalement, il va pas me voir. Non, faut que je me colle avec lui, il va pas me voir. Il m'a vu. Bien. Et il a repris Pump Shit, ok, bah je me casse. On va prendre un joint. Déjà, il peut plus prendre pump shit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mon joint, il va être terminé là, non. Maintenant. Sauf que lui, il met des dégâts, mais moi, je lui mets pas de dégâts, j'ai l'impression. Il m'énerve avec sa K2. Oh, il a crack. C'est bon. Oh, il était P4. Avec une T5. Bon, GG, on va se laisser là-dessus, les gens. Navi va rager, va revenir à P30. Au cas où on prend une pomme chute sur nous. Donc voilà, les gens, j'espère que ce pillage vous aura plu. Donc là, on se casse vite fait avant qu'ils reviennent. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo, donc là on aura eu quand même un peu de P4 du coup à la fin, sans les œufs de creep. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Allez, salut!